Coucou les filles, je vous reviens pour une nouvelle vidéo pour vous présenter les produits que j'avais commandés sur le site Boussy Events. Donc j'avais fait une première commande et j'ai encore une deuxième commande que je pense arrivera le mois prochain, que je vous ferai, je pense, le mois prochain. Donc c'était les ventes flash chez Boussy Events. J'ai reçu là-dedans. Je vais tout vous sortir. Désolée pour le bruit. Donc j'ai craqué surtout sur les vernis d'abord, principalement, mais bon, il y a d'autres choses aussi. Donc d'abord j'ai pris, par contre je sais plus le prix, mais c'était pas très cher. J'ai pris un Color Exciting Mini Bourgeois Eyeliner qui est tout petit et c'est un blanc. Crayon blanc, ce que vous allez voir, ouais. Voilà, voilà. Faites pas attention aux autres swatchs, c'était mes swatchs que j'avais fait pour ma ancienne vidéo, parce que je l'ai fait à la pile pour rentabiliser ma carte mémoire et c'est plus pratique. Donc bref, ensuite j'ai pris un liner, Dual Eyeliner Yes Love, un argenté. En fait il se présente comme ceci, je trouve c'est super beau. Et d'un côté, ça je savais pas, d'un côté vous avez le crayon cool, un mini crayon cool. Ça c'est super sympa je trouve. Et de l'autre côté vous avez le liner. Donc ça c'est un argenté. Je vous fais pas de trait parce que ça reste super longtemps sur la main. À démaquiller, c'est galère. Même système, un petit côté petit crayon mine et un côté liner. J'ai pris un bleu comme ça. J'essaie d'aller assez vite parce que j'ai plus que 30% de place sur ma carte. Donc c'est un bleu. Un bleu marine. Il est plus foncé que là, c'est pas un turquoise, c'est un bleu marine. Ensuite, j'ai pris un liner noir tout simple, waterproof. Le packaging est super beau, je trouve. Vous voyez, en plus, il y a des petites strass. Voilà. Ensuite j'ai pris les mêmes que l'autre en doré. J'ai pris un lot de cannes, vous savez, qu'on coupe pour mettre sur les ongles. Mais je suis pas douée là-dedans. Et j'ai essayé de couper avec un. Nounou ! De couper avec un cutter, mais que j'avais un champion, je sais pas c'est mon cutter qui marche pas, ou alors qu'il faut une lame ou un truc spécial pour le faire. Si vous le savez, dites-le moi, parce que là j'ai des cannes mais j'arrive pas à les découper. Bonbon. Non, donc je vais vous présenter des cannes. Vous avez une fleur, un citron, un cœur rose, une pomme, un petit tourbillon rose, un kiwi et un gâteau. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Ça se présente comme ça. Je ne sais pas comment on fait la macro sur ma caméra.
La pomme et le... Vous verrez pas grand-chose, hein. Le cœur, le kiwi. Et le petit gâteau. Donc si vous savez comment on fait pour découper ceci, dites-le-moi en message ce qu'il faut prendre comme ustensile. Ça me servirait beaucoup parce que je suis un peu embêtée là. Ensuite, j'ai pris un lot de 3, 4, 5, 6. C'était vendu comme des rouges à lèvres, mais pour moi, c'est plutôt des baumes à lèvres légèrement teintés. Donc, j'ai passé assez vite. Et en fait, l'originalité, c'est que le soir ou à la lumière noire, ça fait fluo. Ils sont teintés très très légers. Donc je pense que c'est plus pour mettre au-dessus de la rouge à lèvres et pour un lambrotte en soirée. Donc j'ai un violet, un rose, un vert, un orange, mais je vous dis, ils sont presque pas teintés, ils sont très très clairs en fait. Voilà, j'ai un jaune et un bleu. Donc moi je pensais qu'ils étaient teintés. Donc ça fait un peu beaucoup pour... Je pense qu'avec un j'en avais assez. Comme je pensais que c'était des rouges à lèvres, quoi, j'ai pris enfin, le lot complet. Mais je pense pas que j'ai tout utilisé tout de suite. Je pense en utiliser un. Et le reste, je sais pas ce que je vais en faire. Voilà cette méchante qui me fait plein de griffes. Elle me fait un bisou. T'es méchante de me griffer comme ça. Tu fais mal, Andy. Je sais pas que tu fais mal. Regardez ça, la méchante fille avec qui est pas sage. Guy, t'aurais été seulement dans mes vidéos, toi, hein? Ah. Tu fais mal, les nettes. Allez, sois sage. Donc, je vais vous présenter mes vernis. Donc, c'est de la marque Yes Love. Vous avez le Speckle qui est un bleu clair avec des genres de flakies gris-noir. Non, c'est pas fait pour jouer au foot, ça. Vous avez le... Non, c'est tous marqués Speckle. Donc, je sais pas les références, je suis désolée. Aïe, tu fais mal! Et j'en ai deux pareils. Donc je pense que je vais en donner une. Je sais pas pourquoi j'en ai deux pareils. Je pense que je vais en offrir une à ma filleule dans ses cadeaux de Noël. Vous voyez, c'est les mêmes. C'est des violets pareils avec des genres de flakies. Voilà. Ensuite, vous avez le même genre en rose clair. Vous avez des paillettes orange. Ah, c'est rien que des paillettes. Vous avez des petits filaments de toutes les couleurs avec une dominante violette. Vous avez, qu'est-ce que c'est ça comme couleur? Ça doit être un noir. Ça doit être un noir qui fait genre effet cuir, je pense. Vous avez pareil, ça doit être un rose qui fait effet cuir.
Vous avez plusieurs effets sur les vernis. Là, c'est pareil. Enfin, il faut pas tout ce cuir là, je sais plus ce qu'il fait comme effet. Il est un peu plus brillant. Là, vous avez un rouge qui fait effet, je sais plus quoi non plus. Et vous avez un genre d'effet miroir argenté avec des toutes paillettes super fines. Voilà, voilà. Donc, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous, les filles. À bientôt.